Et bonjour YouTube, ici la meilleure des marmottes et le meilleur des Magni. Voilà qui dort. Magni? Non, non, bah non, il dort. Alors, du coup, Final Fantasy XIV, comme le titre l'indique, deux primordiaux qui sont du coup les primordiaux de l'univers de Final Fantasy XIV sont les sortes de divinités invoquées par les tribus d'Umbed pour se protéger, pour se défendre en cas de grand péril. C'est la théorie. Ici, nous avons Ravana et nous avons bien entendu Shiva. Deux fights super spectaculaire, assez sympathique, que je vous présente maintenant. Alors il y a du fail, c'est ce qu'on aime en même temps, il y a mais également du beau jeu, des musiques stylées. Enjoy! Et n'oublie pas de t'abonner. Shiva en extrême, bien sûr, l'amphithéâtre d'Arcafar. Shiva. Un combat ultra stylé. Rien que l'intro, tu sens que le primordial, il va déconner zéro. Ok. Vous connaissez tous la strat? Non. Le chat demande si je joue la strat. On va dire oui. Allez. C'est parti. Shiva en extrême. 3. Alors le mode extrême c'est au-dessus du mode brutal. C'est ce qui est le mode le plus difficile pour ce genre de boss. Le seul souci que j'ai avec ce boss d'ailleurs, que j'avais déjà à l'époque, c'est tout simplement qu'en fait des fois les AOE sur le sol, je les vois pas de ouf. De blanc sur blanc. Je suis mort, merde! Quel connard. Quel enfer, je suis mort. Ça commence mal. Le swag me s'est complètement. Ça c'est Jaina, presque. Il s'est un kicker marmotte. Oui, enfin, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 30 touches. C'est personne qui m'arrête. Sans juste pour dégâts de la faute du tank. De la faute d'heal évidemment. Je n'aurais plus le chance de reprendre l'aggro sur le tank, donc on va passer un stealth de l'ignorance après. Comme elle est belle, et j'ai encore des buffs pendant 50 secondes. Je suis joué, donc tout va bien pour l'instant. Du coup, c'est l'avantage, on est mort avant son AOE et on passe en P2. Comme très esthétique.
On ne parle pas si on fait comme ça. C'est un peu dur pour utiliser les trucs. Ça fait deux fois que je meurs sur la même attaque. Ça fait donc deux fois que je ne sais pas l'esquiver. Quel enfer! On est trois. Il y a des trucs que j'esquive mal et que je vois pas. Ouais, beaucoup plus vite dans tous les sens. C'est génial. Marmotte, ouais, j'ai fait le solitaire quand j'étais petit, c'était génial. Peut-être le faire, ça va se ressusciter si t'es mort. Je passe un extrême à un oreille par contre. Moi, beaucoup de plus soit comme ça. Là, une résurrection, bah, logiquement il reste des DPS. Ah, quel enfer! La patinoire! C'est zéro absolu à chaque fois que je me tue. Il y a un truc comme ça qui me tue. Là, c'est pas passé en délivrance pour des patins, heureusement. Il a pas d'enrage. Heureusement qu'il a pas d'enrage. Personne n'est un. Cette fois, faut vraiment que j'essaie de pas die là-dessus. Qu'il y a une zone que je rate à chaque fois. Qui me renseigne. Il fait pas par là. Non, non. Ok. Yeah. Et je suis un homme glaçon. Ah, je suis un homme glaçon. Bon. Oui, bon, la peur. Ah là là. Yeah.
Roland, je décède aussi. La confusion. Sans la mort en poule. La mort à 10%. On va dire de 20% de dégâts suivis. En tout cas, je remercie les heals qui ont fait un travail de dingue. Non, s'il vous plaît. Quel connard, je n'ai pas dû bouger. C'est bon, ils vont l'avoir. Ah mon dieu! Ouais, elle décède. Oh, quel... Ah bah écoute, j'ai jamais fait, j'ai jamais tué. Au moins c'est passé. Pas forcément d'une belle manière, mais c'est passé. La confusion! La catastrophe. Et on est parti sur le primordial des lames. Tokastok. Je viens de dire que je ne me lasserai jamais de regarder ces animations. Donc faut tuer le papillon bleu, les papillons bleus très très vite. Attends, quelque chose à rajouter ici. Je vais mettre en mode défi, sinon ça va pas aller. Et on avait un guingamp. Pour l'instant on a l'air de le bourrer. C'est louche, on a un petit prix de la libération. Je sais pas ce que ça fait, malheureusement il le charge très longtemps. Très longtemps. Je sens que ça a piqué. Je sais pas ce que c'est, mais je sens que ça a piqué. C'est double doute, on va utiliser un CD défensif, je sais pas ce que c'est. Voilà. Woot. Il est violent. Fais une libération. C'est pas une majeure, je sais pas ce que ça va être. On va faire un CD défensif au cas où. Pourquoi ils attendent derrière comme ça là. Alors pour l'instant, il a quand même concrètement beaucoup moins de points de vie que les autres. Que Shiva juste avant. La violence. En fait, je n'ai pas encore trouvé comment bind. Les touches là facilement au clavier, c'est tout. Je sais pas si c'est Alt 2 ou comment les bind. Donc en fait, je ne peux pas encore plus au clavier. Peut-être que je changerai ça en fait.
changerai peut-être après le fight. Voilà. Ah, je me disais bien que c'est trop facile. Ok, contrôle 1, contrôle 3. Ah oui d'accord, MDR. Quel connard. Ravana, quel con. La gravité est toujours autant mon ami, hein, quel que soit le jeu vidéo. Quel connard. Voilà. Cardinal funéral, perd son âme. Mais oui, en plus c'était pas parti partout, j'ai vraiment fait du caca, fallait juste que je me mette pour qu'il pousse dans le bon truc. Je suis juste tellement mal positionné. J'ai honte d'avoir été seul positionné. Alors ça passera pas, les transcendances, c'est terrible. Nani. Ouais. Là c'est de ma faute. Dommage, même pas 10%. Quel enfer. Ah, ah, ah. Non, non. Oh le 1%. 1%. Oh l'enfer du 1%. Oh l'enfer du 1%. L'enfer du 1%. Oh le 1%. Oh quel enfer. Oh le maxi baise. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, allez, un petit coup dans 2-3. Bon, maintenant je sais que le peu de la libération, c'est pas dire comme vous elle veut la taille. C'est plus pendant la libération que tu prends des dégâts. Hop là, petite esquive. C'est tellement pentagramme démoniaque. Voilà. Quand même tellement joli.
Allez. C'est maintenant qu'il faut pas que je fasse n'importe quoi que je me positionne bien. C'est très important maintenant que je suis bien positionné. Voilà. Hey! La marmotte ne sait pas avoir de quoi. Cette voix, ça me fait tellement penser à Wolfest. C'est le genre de voix, c'est pas tellement cette voix que t'as Wolfest. On va voir un peu conteur, musique conteur, le mec qui te raconterait une histoire de chevalier, d'une épopée incroyable. Derrière, tu rajoutes quelques chœurs, solo de batterie, de guitare à un moment donné. Ce serait le petit feu. Et ben voilà, la facilité, le talent, l'évidence. Et du coup, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt, du coup, avec une nouvelle vidéo Final Fantasy XIV. Cette fois-ci, on commencera Alexander. Du coup, ce sera trois parties sur Alexander, qui est du coup un grand raid. Bon, du coup, forcément, Alexander, vous connaissez, c'est le robot de Final Fantasy VII, notamment, surtout connu à partir de là. Et bah, du coup, on entrera dedans, parce qu'il y a toute une série de raids avec toute une série de boss dedans, plutôt fort sympathique. À show YouTube.